Bonjour à tous, ici Avangerion pour une nouvelle vidéo. Je vous l'avais promis, il est arrivé, le voilà. Là, un peu plus bas. De toute façon, je vais remettre là. Mettre le grand écran. Apparaître sur le grand écran, ce sera beaucoup plus facile pour vous montrer la bête. Le coffret. Donc, allez, c'est parti. On passe en full screen. Et voilà. Bonjour, bonjour. Et voici donc le monstre. Ah oui, c'est à l'envers. C'est à l'envers. C'est des réglages. Vous regardez dans le miroir. C'est à l'envers, c'est pas grave. Legacy of the Void, édition collector, StarCraft 2, Blizzard. Donc le voilà, il est arrivé. C'est du mastoc, c'est du lourd, c'est du joli, c'est du beau, c'est du magnifique. C'est comme d'habitude. Une légère dorure, et c'est doré, c'est pas doré non plus, hein. C'est pas la peine de commencer à gratter et récupérer l'or, il n'y en a pas, c'est un effet doré, voilà. Ils sont fous les gars. Donc voilà, magnifique, magnifique, magnifique coffret de toute la série, que ce soit le Heart of the Swarm ou le Wings of Liberty, pour ma part, c'est le plus beau coffret qu'ils aient fait de la série. Donc on va légèrement, légèrement, non, on va l'ouvrir. Donc, il y avait dans le coffret, oui, parce que je l'ai déjà déballé. Bah oui, j'ai déjà sorti du carton, j'ai déjà vérifié s'il n'y avait pas de choc, s'il n'y avait pas d'accroc. Ce serait dommage de faire une vidéo et puis de se rendre compte au moment où on le déballe. Eh ben non, tout va bien, tout est ok, tout est parfait, perfecto. Donc, il y avait ce joli, le petit papier, là. Alors, original. Originalité, cette fois-ci il est en carton. Un petit peu souple, mais moins souple que les précédents. Oula, pardon, excusez-moi. Les précédents, ils étaient, c'était du papier, c'était, on pouvait rien faire. Là, c'est joli, c'est tout beau, c'est hop, on peut l'accrocher, ça tient pas, on s'en fout. Et puis voilà, c'est pas mal, hein. Ouais, bon, vous faites ce que vous voulez avec. Pas de choix. Ensuite, nous avons donc le DVD du jeu, bien sûr, avec la précieuse clé à l'intérieur. Bon, avec la clé, je la mettrai après la vidéo. De toute façon, je vais faire des vidéos, la campagne et tout, le mode tournoi, les nouveautés du jeu qui s'annonce riche. Riche. Et du jeu. Avec la clé dedans. Nous avons ensuite la bande originale, donc la musique du jeu, j'allais dire du film. Non, c'est la musique du jeu, c'est comme les films, mais la musique du jeu. Donc voilà, hop, hop, voilà, en carton, ça change pas. Les versions précédentes, je crois que déjà, ouais, elle est bon. Et là, c'était en boîtier, un boîtier dur. Là, c'est un petit peu en carton souple, un peu moins souple, mais pas sans rouler. Donc voilà, la bande originale du jeu, du film. Allez, ça va plus, ça recommence. L'envers du décor, bouge pas. L'envers du décor. Comment dire, très intéressant à regarder. C'est un peu comme les bonus quand vous achetez un DVD ou quand vous achetez un Blu-ray ou voilà. C'est les bonus du jeu. Pas les bonus du jeu, comment faire les campagnes et tout ça. Non, 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 non. C'est comment ils ont fait le jeu, les différents aspects graphiques, les différents aspects du son. Et je peux vous dire que des fois, on voit les choses, on se rend compte réellement du travail qu'ils font pour créer un jeu vidéo. Donc oui, vous pouvez pester que le coffret, il coûte un, mais regardez-le. Regardez-le, et ça peut changer des fois votre avis sur la chose. D'accord? N'oubliez pas, l'envers du décor, magnifique. Et bien entendu, le Big One, donc... Le manuel du combattant, désolé, c'est marqué à l'envers, hein. Je vous fais la traduction, manuel du combattant. Vous pouvez regarder dans le miroir, hein, vous verrez, c'est magique. Donc, tiens, je vais peut-être faire des vidéos cachées comme ça. Ah, il est pas bien dans sa tête. Donc, édition vétéran. Ça veut dire... Quand on précise comme ça que c'est une édition vétéran, ça veut dire qu'il y en aura d'autres? Ça, c'est une question, hein. Non? Je sais pas. Peut-être? Volume 8L12. Un message, c'est un message. Moi, je vous le dis, c'est un message. Confidentiel, ne pas diffuser, bien entendu. Donc, ceci, c'est le manuel du jeu. On va vous expliquer, en gros, c'est la campagne,
Donc, je vais peut-être pas l'ouvrir tout de suite, puisque effectivement, j'ai pas encore fait le jeu. Donc, c'est la campagne, certaines précisions sur le jeu, des très très belles illustrations du jeu. Je peux vous dire que je n'ai jamais été déçu par tous les livres des coffrets collector, et je ne pense pas que c'est maintenant que ça va commencer. Donc, le manuel du combattant, je l'ouvrirai pas, non, parce que j'ai pas envie de l'ouvrir tout de suite. Peut-être une vidéo plus tard, bien plus tard, même si là-haut, oui, là, voilà, c'est là où il va aller après, là, c'est ici, là, quelque part, je sais pas, à côté de ses potes. Donc, hop, on est retourné là. Donc là-haut, je sais plus ce que je disais. Oui, prochaine vidéo, je l'ouvrirai peut-être, même si les autres que j'ai là-haut, je ne les ai pas ouverts non plus tous. Certains, mais pas tous. Donc je referai une vidéo. Coffret collector. Qu'est-ce que je suis en train d'écraser? Il y a pas une souris dedans. Coffret collector. Ouais, quand même. Legacy of the Void, StarCraft 2. Très, très beau coffret. Je suis pas déçu, même si... Ah, un petit tapis de souris. Le premier StarCraft 2, Wings of Liberty, il y avait une clé USB, si vous vous souvenez, en collier, qui est d'ailleurs là-haut aussi. Et voilà, mais non... Vous comprenez. Voilà ce que je dis. Donc, c'est... Oh, toi, tu restes dehors, il faut que je te mette la clé dessus et tout. Magnifique. Coffret collector. Allez, arrête de taper ton micro, tu vas les rendre sourds, là. On se retrouve pour des prochaines vidéos. Donc, la campagne du jeu, les aventures Hearthstone qui sont tombées, qui viennent d'arriver. On est vendredi 13. Vendredi 13. Peut-être pas un jour pour faire des vidéos, parce que ça fait la deuxième fois que je la refais, celle-là. Je la refais plus, maintenant. Celle-là, elle part, elle est diffusée. Donc, voilà. D'autres vidéos, bien sûr. Black Ops 3, là, est promis, ça va arriver. Diablo 3, le nouveau patch, 2-4, bien sûr. Les lives Twitch, à partir de la semaine prochaine, on va commencer, mardi. Mardi, 19h. Au rendez-vous, on vous attend. Donc, voilà. Et puis, ce sera tout. Hein, à bientôt. Il est fou, il est fou, il est pas bien dans sa tête.